Bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Cosma, qui est actuellement en direct. Je salue ma maman Rosa Pat, je salue maman Cathy Lajoie, je salue Baudelaire, voilà, Chiki, et te salue. Et salue ma soeur Chanel Gbagbo qui vit en France. Je salue mon frère Max de Paris. Je salue toutes les personnes qui m'aiment et toutes les personnes qui ne m'aiment pas. Je suis Carton Noir, le Cordia sans foi, Warafima. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, moi, Carton Noir, je suis vraiment touché. Je suis vraiment touché de ce que moi j'ai entendu et ce que je. Vous voyez? Il y a le mois passé, Johnny Pacheco nous a dit que il paraît que la première dame aurait été assassinée. Et certaines personnes n'ont pas pris au sérieux. Voilà. Ces personnes, il y a certaines personnes qui n'ont pas pris cette information-là au sérieux. Et aujourd'hui, chers Ivoiriens, moi, Carton Noir, je suis sûr et je vous l'ai dit, la première dame a été assassinée. La première dame a été assassinée. Vous-même posez-vous la question. On nous dit que la première dame est au Maroc. Elle allait se faire soigner. Mais les journalistes sont là. Si vraiment Maman Simone Gbagbo et aller au Maroc là. Hein? Les réseaux sociaux vont informer le peuple. Ça c'est sûr. Et puis il y aura des gens aussi à la qui vont voir Maman Simone Gbagbo en train d'aller au Maroc. Mais ils nous ont fait croire que Maman Simone Gbagbo est allée au Maroc pour se faire soigner. On sait bien que Maman Simone Gbagbo est tombée malade. Alassane Ouattara l'a pas envoyé d'un pays pour se faire soigner. Alassane Ouattara n'a pas fait ça. Et c'est en 2018 là, Alassane Ouattara prend la peine hein, d'envoyer Maman Simone Gbagbo comment on appelle, au Maroc pour se faire soigner. Mais, chers Ivoiriens, on n'a qu'à se prendre au sérieux. Hein. On n'a qu'à se prendre au sérieux. Je vais dire à Alassane Ouattara que il n'a qu'à me dire c'est faux quoi. Il n'a qu'à nous dire que la mort de Maman Simone Gbagbo là, c'est faux. Il doit nous dire ça parce que si c'est vrai là, Alassane Ouattara va laisser la Côte d'Ivoire. Parce que les ennemis, ceux que vous avez appelés les ennemis du président Gbagbo Laurent là, vont se révolter contre vous. C'est-à-dire vous allez laisser la Côte d'Ivoire, hein? À 14h. Non, ça c'est clair. Hein? C'est clair. Tu ne peux pas venir en Côte d'Ivoire, prendre le pays par la force, tuer les Ivoiriens, changer la constitution de la Côte d'Ivoire, appauvrir le peuple, envoyer des prisonniers, des gens à la Maca, des personnes innocentes. Si toi, on te demande mais pourquoi tu as envoyé ces personnes en prison, tu ne sais même pas ce que tu vas dire. On a été lutter pour qu'ils sortent. Tu as envoyé encore un Ivoirien. Un icône de l'Afrique à la CPI, un sauveur
de l'Afrique, tu l'envoies à ce pays. Sa femme, Simone Gbagbo, tu l'as mise ici en prison en Côte d'Ivoire. Ça ne te suffit pas? Tu veux tuer notre première dame. Tu as assassiné notre première dame. Comme l'a dit mon grand frère, Dieu est vérité. Donnez-nous le corps de maman Simone Gbagbo. Vous avez peur? Vous avez peur? Si toi, tu es arrivé à assassiner ton frère là, Hassan Ouattara, si tu es arrivé à assassiner ton frère, Sinali Ouattara, si tu es arrivé à l'assassiner là, ça c'est entre vous là-bas. Parce que toi, tu as assoiffé derrière le pouvoir, derrière le titre. Tu sais que ton grand frère était assoiffé aussi derrière le pouvoir. Donc, toi, tu ne veux pas que quelqu'un d'autre prenne le pouvoir. Donc, tu as envoyé ton frère au Maroc sous prétexte qu'il est malade et ils sont allés l'achever là-bas. Moi, Katono, je suis au courant de ça. Tu comprends, Moshi Ouattara, l'homme au pantalon sauté, l'homme à la bouche penchée. Mais moi, carton noir, je suis venu te dire, faut dire aux Ivoiriens que c'est faux. Voilà. Parce que moi, je ne crois pas même, je ne crois même pas que tu as accepté de donner l'ordre qu'ils n'ont qu'à assassiner la première dame. Tu sais que les Nordistes, aujourd'hui, ils sont prêts pour Gbagbo Laurent. Tu dois savoir ça. Et je sais que tu le sais. Même dans tes rêves, là, tu le sais que les Nordistes ne sont plus prêts pour toi. Ils ne seront jamais prêts pour toi. Qui t'a donné ce courage-là d'assassiner maman Simone Gbagbo? Qui t'a donné ce courage? Parce que depuis longtemps, là, elle était assassinée. Vous l'avez assassinée, mais vous avez peur de nous dire que vous l'avez assassinée. Vous avez peur de nous dire ça. Parce qu'on se rappelle bien, quand vous avez assassiné Nana Feus-Feu-Boigny, là, ce n'est pas le jour qu'il est mort, là, qu'on nous a dit, hein, qu'ils ont formé. La population de Côte d'Ivoire que Nana Feus-Feu-Boigny est mort. C'est après quelques jours qu'ils ont informé le peuple. Voilà. Donc c'est ce que vous voulez faire avec Maman Simone Gbagbo. Mais ça ne marchera pas. C'est pour Nana Feus-Feu-Boigny, hein? C'est ça qui a été chic pour vous. C'est-à-dire, ils ont toléré ça. Mais pour Simone Gbagbo, là, on n'a pas toléré, hein. On ne va même pas tolérer. C'est-à-dire toi-même là. Hein? Je ne sais pas ce que le peuple va te faire. Tellement qu'on serait fâché contre toi. C'est-à-dire on va te mettre devant nous. Non? Tellement qu'on serait fâché là. On va s'attendre, commencer à pleurer. Parce qu'on ne veut pas te faire du mal. On va te permettre de plier tes bagages puis partir. Mais je veux que ça soit faux. Voilà. Je veux que ça soit faux. La mort de Simone Gbagbo là, je veux que ça soit faux. Tu comprends? Maintenant, toi, M. Sorogium, tu sais, tu es un nordiste comme moi. Hein? C'est vrai, tu as envoyé Gbagbo Laurent à la CPI. Tu as aidé Ouattara à déstabiliser le président Gbagbo Laurent. Mais tu as travaillé avec Gbagbo Laurent, tu as travaillé aussi avec Simone Gbagbo. Mais même si tu n'aimes pas quelqu'un là, hein? Toi-même, tu sais, en réalité, un chef, c'est de la vérité. Hein? Sorogium, là, il est fan de Gbagbo Laurent. Il aime le président Gbagbo Laurent. Il aime la politique du président Gbagbo Laurent. De toi à moi, Guillaume, surtout d'avoir me dit que tu n'aimes pas Gbagbo Laurent. De toi à moi, tu peux moi me dire ça. Tu peux pas. Mais au moins cela, hein, faut prendre la peine aussi d'aller vérifier aussi si maman Simone Gbagbo vit ou bien elle est morte. Donc, si on comprend bien, toi aussi là, tu fais partie du coup. Tu fais partie du coup. Donc toi aussi, tu as assassiné aussi la première dame. Mais on va enlever ça dans vos yeux. C'est vous avez donné le courage à Alassane Ouattara de se foutre des Ivoiriens, d'assassiner les Ivoiriens comme des animaux. C'est vous avez donné le courage à Ouattara. C'est plutôt toi-même. Tu vois, c'est toi-même qui as donné le courage à Ouattara. Regardez comment la population souffre. On nous dit la démocratie, mais quand un Ivoirien mène la démocratie, on le prend, on s'en va l'assassiner, ou bien on le torture, ou bien on le traite de n'importe quoi. À cause du président Gbagbo Laurent, certaines personnes, hein, les pro-Gbagbo là, ils ne travaillent pas, mais ils sont restés solidaires.
Guillaume Soro, les nordistes te disent, tu veux que la population te pardonne. Ok, si tu veux que la population te pardonne, c'est que tu as beaucoup de choses à faire. Alors, moi, quand on a été dit, va vérifier si Maman Simone Gbagbo vit ou bien elle est morte. Et puis tu viens, tu informes le peuple. Tu vois? Quand tu as fini de nous informer là, tu cherches à libérer les prisonniers politiques. Si toi-même, tu ne peux pas libérer les prisonniers politiques là, nous la population là, on va les libérer. De manière forte, de manière brutale. Alassane Ouattara parle qu'il est sauvage, mais nous on est plus sauvage que lui. Il y a des bâtards, moi je vois, ils sont en Europe et puis ils font vidéo pour menacer les super activistes, les personnes qui disent la vérité pour sauver la Côte d'Ivoire, pour sauver l'Afrique. Vous là, moi je vous connais, vous là, vous parlez pour protéger vos intérêts. Toi, monsieur Amiral Blindé, toi tu fais vidéo, qu'on appelle, tu appelles Nadi Bamba pour la menacer en lui disant qu'elle arrête les vidéos qu'elle fait. Tu connais très bien Ibe Koulibaly. Tu le connais très bien. Mais tu la menaces. Tu sais à qui tu as fait. Tu sais à qui tu as fait. Tu as dit que Nimaya Donda Blambi Koukar. C'est pas ce que tu as dit. L'esprit de Ibe là. Si vraiment tu veux qu'on te pardonne même là, hein, tu veux qu'on te pardonne là, il faut faire deux choses. La première, va enquêter sur le sujet de Maman Simone Gbagbo. Si vraiment elle était assassinée là, tu nous envoies son corps. Pour que la population ivoirienne voie le corps de Maman Simone Gbagbo. Ça, ça fait un. Et puis la deuxième, libère les prisonniers politiques. Tu seras pardonné. Mais tu ne seras jamais président. Hein. Tu ne peux pas être président. Tu veux encore te pardonner. Tu as déjà tes millions. Tu as tes milliards. Tu as tes milliards. Ok. Mais si vraiment tu veux te faire pardonner, il faut mener cette action. Il faut mener cette action-là. Je te le jure, si tu as des tailles, les Ivoiriens vont te pardonner. Ils vont te pardonner, M. Guillaume Soro. Tu vois. Donc, il faut aller mener ça. Maintenant, M. Ahmed Bakayoko, M. Nyamaku Zekina, toi, tu te joues les gros bras. Tu te joues les gros bras parce que depuis l'université, tu as toujours mené les actions de gros bras. Toi, tu es le grand Yarassé d'Alassane Ouattara. Mais il faut t'apprêter. Il faut t'apprêter. Parce que le jour que les Ivoiriens vont se lever pour aller à la libération de la Côte d'Ivoire, il ne faut pas déjà te mettre sur le chemin des Ivoiriens. Tu comprends? Il ne faut pas déjà te mettre sur le chemin. Si vraiment aussi là, Maman Simone Gbagbo a été assassinée là, si vraiment vous l'avez assassinée là, on va enlever ça dans vos yeux. Voilà. On va enlever ça dans vos yeux. Tellement que moi, quand on est mal, le jour où il transpire seul, vous allez vous là, hein, accepter, après avoir assassiné ces vrais Ivoiriens, après les avoir assassinés, après les avoir envoyés en prison à la CPI, c'est la première dame, c'est sur la première dame que vous êtes arrivé. C'est sur la première dame que vous êtes arrivé. C'est pour Félix Souffert Boigny qui a été doux dans votre bouche. Les Ivoiriens ont toléré ça. Mais pour Simone Gbagbo, là, on ne va pas tolérer ça. Les Ivoiriens ne vont jamais tolérer ça. Tu comprends? Les Ivoiriens ne vont jamais tolérer ça. Mais je veux que ça soit faux, quoi. Je veux que ça soit fausse. La personne qui est mieux placée pour mener cette enquête-là, chers Ivoiriens, demandez à Guillaume Soro de mener l'enquête. Si vraiment il aime les Ivoiriens, si vraiment il veut sauver la Côte d'Ivoire, là, hein? Si vraiment il veut que les Ivoiriens le pardonnent, là, il n'a qu'à mener ses enquêtes. Et il vient dire aux Ivoiriens que
si vraiment maman Simone Gbagbo était assassinée ou bien n'a pas été assassinée. Mais pour moi, carton noir, je sais que maman Simone Gbagbo était assassinée. Elle était assassinée au moment, le jour, c'est-à-dire quand Johnny Pacheco a dit qu'il paraît que maman Simone Gbagbo était assassinée. C'est en ce moment-là même que maman Simone Gbagbo était assassinée. Mais Ouattara, si c'est vrai là, hein, on va te coiffer une lame et un couteau. On va te coiffer un couteau. C'est-à-dire, on va te coiffer sur le pied, on te laisse. Nous là, on n'est pas méchants. Les Ivoiriens ne sont pas méchants. Les Ivoiriens ne sont pas méchants. Mais quand tu provoques un Ivoirien là, il te montre en réalité qu'elle est fâchée là. Oui, voici comment il devient. C'est ça, on va te montrer. Tiens bien. Regardez, chers Ivoiriens. Ibe Koulibaly. Ibrahim Koulibaly. Qui a aidé Ouattara à s'installer au pouvoir. Là. Qu'est-ce que Ouattara a fait? Ouattara a fait un coup d'État. Et Ouattara et Soro Guillaume, ils ont parlé. Et ils ont attaqué Ibrahim Koulibaly chez lui à la maison. Ouattara, tu sais très bien. Celui qu'ils ont montré là. Que c'est... comment on appelle même, que c'est Ibé là. Celui qu'ils ont montré, il était couché là. Tu sais très bien que c'est pas Ibé. Tu sais, tu as fait ton autopsie. Qu'est-ce que tu as trouvé? Tu n'as pas donné le résultat aux Ivoiriens. Toi seul, tu connais la réponse. Tu connais la réponse. Il y a certaines personnes qui disent que moi, c'est un ancien rebelle. C'est vous qui voyez, si c'est un ancien rebelle, c'est bien. Si c'est un ancien rebelle aussi, c'est bon. Mais vous voulez savoir si c'est un rebelle ou si c'est pas un rebelle. Affirmer, quand nous voulons voir même le corps de maman Simone Gbagbo, si c'est vrai ou bien c'est faux. Ou même si Ouattara est garçon, il est mort. Ou bien elle vit. Déjà, il n'a qu'à affirmer que maman Simone Gbagbo est morte. Si vraiment il a confiance à lui, hein, si vraiment il est sûr de lui là, il n'a qu'à affirmer que maman Simone Gbagbo est morte. C'est ce jour-là que vous allez savoir que si rebelle ou bien si c'est pas rebelle. À ce jour-là, vous allez savoir. Mais moi, je pense que c'est faux, chers Ivoiriens. C'est faux. C'est faux. Alassane Ouattara, il plaisante. Il plaisante, au fait. Je ne crois pas s'il a assassiné maman Simone Gbagbo. Je ne crois pas. Il n'est pas aussi sauvage que ça. Hein? Non, il ne va pas vouloir. Ouattara ne va pas vouloir. Ouattara, est-ce que tu vas vouloir? Est-ce que vous allez vouloir assassiner maman Simone Gbagbo? Il ne va pas vouloir. Il plaisante. Il ne va pas vouloir. Voilà. Maintenant, pour terminer, je m'adresse à M. Amadou Bon Koulibaly. Le ministre, le Drissa Koulibaly, parce que c'est comme ça, moi, il l'appelle. Le discours que vous avez tenu la dernière fois en disant que vous avez, grâce à la croissance, vous avez arrivé à améliorer la condition, voilà, la condition de vie des Ivoiriens. Et grâce à cette croissance-là, les fonctionnaires, le salaire des fonctionnaires a augmenté à 32%. Ces gens de discours-là, faut pas tu vas tenir ça. Faut arrêter ça. Je veux que si tu mens là, faut avoir honte. Tu vois, faut avoir honte un peu des Ivoiriens. Ça, c'est mieux. Mais mentir sans avoir honte là, c'est pas bon. Les nordistes meurent de faim ici. Tu as fait quoi pour les parents du Nord? C'est ce que j'ai dit. Tu n'as rien fait pour les parents du Nord. J'invite tous les journalistes à venir au Nord et interroger les parents nordistes à propos de M. Amadou Bon Koulibaly. Vous allez entendre. Vous allez entendre ce que vous ignorez. Vous allez entendre la vérité. Lui, il a dit quoi? Tu n'as même pas connaissance. Kwame Richard. Moi, c'est mon cul qui te voit. Hein. Il n'y a pas connexion. Il me dit, je n'ai pas connexion. C'est moi, je parle.
Mais champion, qui t'a appelé à regarder mon direct? Kwame Richard, qui t'a appelé à regarder mon direct? Est-ce que moi, il t'a appelé? Il t'a pas appelé, mais pourquoi tu viens regarder mon direct? Bon, si tu es fâché là, faut payer ton transport, tu as venu me faire taire. Voilà, tu as venu me faire taire au nord ici. Tu vois, si tu es trop fâché là, tu prends ton billet, je sais pas où tu es. Hein? Bon, tu perds ton transport et puis tu viens me faire taire à Korogo ici. Je suis dans tes narines. Si vraiment tu es en Côte d'Ivoire, ici dans tes narines, je ne suis pas en Europe, viens me faire taire. Ton billet, 10 000 fois. Les Nordistes sont là, on meurt de faim ici. La population meurt de faim. Hein? On coupe le courant quand ils ont envie. Ils coupent l'eau quand ils ont envie. Eux-mêmes, ils font pitié. Boaké fait pitié. Nos soeurs sont en train de se prostituer pour avoir de l'argent. C'est-à-dire, tu veux 2 000 francs pour manger là. Il faut que tu te couches en bas d'un garçon pour qu'il te donne 2 000 francs. Il n'y a pas d'emploi. Toi-même, le père, tu es là. Tu n'as pas d'emploi. Ça fait pitié. Hein? Mais le sujet d'aujourd'hui, je pense que Ouattara plaisante. Voilà, il n'a pas assassiné maman Simone Gbagbo. Il n'est pas aussi trop taré que ça. Il est intelligent. Souvent, il se joue les bêtes. Mais il est intelligent. Il n'a pas qu'à de le faire. Il n'avait pas voulu même. Voilà. Même si la France l'a blagué comme moi, même, quelle que soit sa formation dictatoriale, là, il va pas vouloir faire ça. Athée son. Même s'il y a des cornes qui poussent sur la tête de Ouattara, là, il va pas vouloir. Il va même pas vouloir. Tu connais? Il va pas vouloir. Donc, monsieur Amadou Ben Koulibaly, arrête de tenir des propos comme ça. Ne dis jamais que la population ivoirienne a le sourire aux lèvres. Depuis que vous êtes venu au pouvoir, là, on n'a jamais eu le sourire aux lèvres. Jamais du tout. Donc ne venez pas merder la population ivoirienne. J'espère que tu as bien compris. Moi, je ne vous vois pas. Parce que vous êtes tous des inconscients. Vous ne réfléchissez pas. Vous posez des actes parce que vous êtes dans le gouvernement, parce que c'est pour vous le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Donc, vous tuez qui vous voulez, c'est-à-dire vous arrachez la vie d'un être humain, hein, sans avoir peur. Vous voyez, non? C'est pas vous qui avez donné la vie à un être humain, mais vous arrachez la vie de l'homme. Comme si c'était vous. Il avait donné cette vie-là. Mais moi, quand on a dit, vous pouvez venir m'assassiner. Il y a foi. Vous pouvez m'assassiner. Mais en tout cas, ce que moi, j'ai dit là, c'est tombé dans vos oreilles. Si vous voulez savoir que si Katonoa il est rebelle, ou bien il était rebelle, Ouattara, si tu es garçon, faut nous montrer le corps de maman. Voilà, excusez-moi, chers Ivoiriens. Voilà, c'était le réseau qui déconnait. Excusez-moi, ne vous fâchez pas. Voilà. Donc, Ouattara, j'espère que tu as compris ce qui était dit. Si vraiment tu t'appelles Moshi Ouattara, l'homme au pantalon sauté, formateur des dictateurs, montre-nous en direct Maman Simone Gbagbo. Guillaume Soro, moi, carton noir, je t'envoie, je te mandate d'enquêter sur Maman Simone Gbagbo. Voilà. C'est moi, carton noir, je te mandate. Et dis à tes Dabrou Diodio Moro là, les personnes qui te suivent comme des moutons là, les personnes qui t'obéissent, genre, il faut des actions juste pour te faire plaisir. Il faut les dire que le moment de violence, c'est fini. Si eux ont envie de se battre là, hein, ils n'ont qu'à aller sur le ring de catch. Voilà. John Cena est là. Ils n'ont qu'à aller se battre là-bas. Dis-leur qu'ils n'ont qu'à arrêter, hein, de menacer les gens ou de se moquer
hein, de certaines personnes qui mènent un combat noble. Vous voyez. Amira Blindé, la vidéo même que toi-même tu as fait tout dernièrement là. La vidéo que tu as fait tout dernièrement là. En parlant de Johnny Pacheco, je salue Nante Bessou. Salut, le combat continue. Azala Mama. Je salue Adjo, Elivra, Raissa Aka. Salut, maman, le combat continue. Voilà. Là où tu as déposé la caméra, et puis tu dis que, comment on appelle même, les gens te voient, tu parles, on dirait que tu ressembles un fou là. Pourtant, tu n'es pas fou. Que c'est Johnny Pacheco qui t'a énervé. Tu connais la vidéo. Voilà. Là où tu as traité un vendeur de quota voleur là. Voilà. Faut regarder les commentaires de ta vidéo. Personne ne parle de bon de toi. Personne ne t'insulte. Tu dois savoir que le combat que tu mènes là, tout ce que tu dis là, les Ivoiriens ne sont pas d'accord avec toi. Donc, faut revoir ta position. Si tu veux faire parler là, va voir John Cena, va voir un Batista. Non, on n'a pas ton temps. Moi, là, moi, j'ai affaire à Ouattara. On a affaire au gouvernement. Vous, là, on n'a pas affaire à vous. Denis Pacheco n'a pas affaire à vous. Vous voulez vous faire connaître. Raison pour laquelle vous menez, vous faites des vidéos et vous parlez mal de Johnny Pacheco, vous attaquez Johnny Pacheco. Toi, monsieur, dessin animé là, même là. Toi, tu n'as pas honte, hein? Tu n'as pas honte. C'est sur ton mur que Amira Blindé fait les vidéos. Amira Blindé est en train de renforcer vos conflits. Toi et Johnny Pacheco. C'est-à-dire, Amira Blindé ne veut même pas que vos conflits là, ça finisse. Tu ne sais pas ça. Sinon, Amira Blindé là, il peut créer son propre fils. Ou bien son propre YouTube et puis faire ses vidéos. Mais pourquoi c'est si toi, ton YouTube, il fait ça? Il n'y a pas de drame. Dieu est grand, mais le Satan n'est pas petit. Donc, monsieur Alassane Ouattara, si vraiment tu es garçon, voilà. Il faut nous montrer Maman Simone Gbagbo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais je pense que c'est pas vrai. Voilà. Ouattara va pas vouloir assassiner la première dame. Ouattara, c'est faux, non? C'est faux. Si tu as fait ça là, tu vas comprendre. Voilà, on va se laisser. Il y a ma question énervée là, je vois qu'elle transpire, chers Ivoiriens. Je vois qu'elle transpire, regardez. Ouattara a menti. Assassiner nos premières dames. C'est fou. Nous savons que hein, le Maroc là, le Maroc n'aime pas la Côte d'Ivoire. On le sait. Le Maroc là, il veut nous arracher nos beaux pays la Côte d'Ivoire. Ça là, on le sait. Si on nous dit que Maman Simone Gbagbo, on sait qu'ils sont allés pour la tuer. Mais je sais que Maman Simone Gbagbo n'est pas allée là-bas. Nous savons tous qu'elle n'est pas allée là-bas. Voilà. Voyez, si elle est allée là-bas, là, les réseaux sociaux allaient de nous informer. Mais vous avez assassiné Maman Simone Gbagbo depuis longtemps. Les réseaux sociaux même cherchent à savoir même. Mais vous avez caché le corps de Maman Simone Gbagbo. Si vous êtes garçon, donnez-nous le corps seulement. Et vous allez apprécier. Alors, chers Ivoiriens, on va se laisser. Le combat continue. Que Dieu vous donne que Dieu vous donne longue vie. Que Dieu vous donne la joie. Que Dieu donne la joie à Carton Noir. Et que Dieu ne donne pas longue vie à Carton Noir. Bonne journée et ciao, ciao. Ouattara, j'appelle ce que tu as dit là. Si tu es garçon, là, faut nous présenter Maman Simone Gbagbo. Faut nous présenter en direct. Hein, et puis tu vas voir la suite. Azala. Peut-être que ce jour-là sera la mort de Carton Noir, le corps bien sans foi.